Allô, Petro. Oui, déjà, déjà. Okay. Salut à vous, bien aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu, notre Père, par Jésus Christ, le seul Seigneur, le seul sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Tuna que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ le Tout-Puissant. Bienvenue encore à votre émission spéciale Retour à la parole, retour à Jésus-Christ de Nazareth.

Nous avons parlé de la nouvelle année, nous avons commencé à parler de la nouvelle année à l'émission précédente. À parler de ce que représente la fin d'une année pour nous et ce que va représenter le début d'une année pour nous. Et dans ça, on a pu voir le programme et l'agenda du Seigneur.

Parce que non seulement nous sommes des pèlerins sur cette terre, ce là, ce nousVe, ce là, ce en plus de cela, nous devons parfaitement accomplir la volonté sur cette terre pendant notre jour de marche. Non, de plus, Donc, les années sont là pour nous faire examiner les choses par rapport à la volonté de Dieu. kwa hivo miaka iko pale ili itulete kuchunguza mambo kulingana na mapenzi ya mungu pour voir si les projets les choses que sommes nizom, dit nous avons accompli ili kuweza kuangalia mambo tuliyosema kama imetimilika pour voir si les choses que le Seigneur nous a recommandé de faire nous avons fait ili kuangalia mambo ambayo mungu alituomba tuyafanye kama tumeyatimiza sa s'appelle faire un examen de soi sexaminer soi-même inaitwa kujichunguza mwenyewe ama kufanya mtihani wa binafsi Et c'est sa que paul dit au Corinthiens de sexaminer se pour encore s'ils sont dans la foi na hiyo ndio paulo alivyozungumza na wakorintho ya kwamba mjichunguze kama mko katika imani tena don la fin dune annee cest un bouklement on voa, ah, on fait un bilan de choses. kwa hivi mwisho wa mwaka ni kama kufanya unakaa ili kuangalia uchunguze mambo uliyopitia siku yote ya mwaka

Na elio sawa katika, katika si ce n'est pas ainsi qu'on voit les choses du Seigneur, alors on va être dans une énorme séduction. Nous n'avons pas compris les significations des fins, des débuts euh, d'une année. Na katika mambo ya mwanso, mwaka ya, ya mwaka. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est le premier et le dernier. Le -man Manesu, la fin. Mane yesu kristo mwenyewe ni mwanzo na mwisho mwanzo na mwisho kabisa commence toutes choses et il finit toutes choses. inamaanisha anaanza kila kitu na anamaliza kila kitu ki commençons nu choses de shose kinefiniso pas ki d'autres choses nimporte comment. kinyume na sisi ambayo tunaanza mambo mengi ambayo haitaisha na tunamaliza mambo ambayo haikuanzwa Donc, tu ne peux pas faire comme le monde, tu crie aussi bonne année, tu cours partout, bonne fête, tu cours dans tous les sens, sans te poser ces questions fondamentales. Bon c'est bien de souhaiter une année bonne, de prophétiser même, de déclarer des choses merveilleuses, c'est très bien. C'est bien de souhaiter une année bonne, de prophétiser même, de déclarer des choses merveilleuses, c'est très bien. Mais aussi longtemps que tu ne t'examines pas par rapport à ce qu'on a dit, pour voir ce qui n'a pas été bon et ce qui était bon, alors tu cours tout droit dans un mur. C'est pourquoi nos vies tournent beaucoup à rond. Jamais vous ne voyez les gens qui proclament, ils disent que... Ils dit que euh, euh, ils dit, oh. Vœu de consécration. Non, il ne pas ça. Parce que, parce que celui à qui on dit vœu de consécration, lui, c'est comme si c'était une insulte pour dire qu'il n'est pas consacré. C'est comme ça qu'il comprend. Si tu dis vœu de repentance, que soit ta vie, soit une vie de repentance, il s'énerve.

yani anachukua kitu ambacho kwake kinamhusu na kinampendeza. Seculi plaît. Kitu ambacho kinampendeza yeye. Voilà pourquoi nous vœux principaux pour vous. Ndio maana matakwa et kwenu kwanza c'est le veut de repentance. Ni kuwatakia kutubu. Repentez-vous et préparez les voies du Seigneur. Tubuni na tengenezeni njia za Bwana. Aplanissez les sentiers du grand roi. Jésus qui revient bientôt. Jésus Christ soya déjà très Il revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Anakudi ya kulichikuwa kani salisiolo na shaka wala mawaa ma na salisiolo lingani shwa. Voilà comment Jésus Christ a commencé son ministère. Na hivu niwe alianza huduma yake. Oh, il est le commencement et la fin. Lisons le que tu bien aimé, merci Saint-Esprit. Marc chapitre 1. Voilà celui qui est le commencement. Qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth, qui vient dans les jours de sa chair accomplir le ministère pour la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 14? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle, c'est-à-dire croyez à l'évangile. Mm -hmm. anasema hata baada ya yohana kutiwa gerezani yesu akaenda galilaya akihubiri habari njema ya mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa mungu umekaribia tubuni na kuamini inchiliehrist a, a dit le commencement e la fin il a commencé comme si année parce que nous commençons notre vie nouvelle n rist yesu alikuja kuanza huduma yake gisi na sisi tunapia tunaanza mambo, mambo yetu Nous avons vu la dernière fois, quand on a vu la Pâque d'Exode chapitre 12, les enfants d'Israël prenaient la Pâque qui, quoi, qui représente Christ. Parce que, parce que par, la, par la Pâque, ça, ça représentait que les voilà qui sont sortis, qui sortent de l'Égypte pour aller servir Dieu. maana kwa njia ya pasaka walikuwa ni mfalme ya kuonyesha kwamba wametoka katika misri ili waende kwenda kumtumikia mungu jangwani don la figure du passage des tenebres a la lumiere ilikuwa ni picha ya kutoka kwenye giza kuendelea kwenye nuru ces pourkuoa nous kui avons en christ nous rentrons en christ par la repentance ndio maana sisi tuliokuja tulimwamini yesu kristo so tunaingia ndani mwake kwa njia ya kutubu Et dans la repentance, quand Jésus prêche, il prêche tant pour ceux qui semblent marcher correctement avec Dieu que pour ceux qui marchent bizarrement. La repentance donc inclut soit un changement de direction pour celui-même qui marche bien, ou

il a commencé le ministère par la repentance. Oh, comme le commencement, tu commences une année, tu vois ce que représente Jésus-Christ dans son commencement de ce qu'il fait. C'est la repentance. Comment toi tu veux déjà au début de l'année, au de voir comment Christ a commencé le ministère <muchinés> Commencez à demander que Seigneur, que tu me donnes les choses au centuple, ce qui se passe pendant le ministère. <muchinés> Et c'est comme ça que, comme j'ai dit, on rentre dans la nouvelle année les gens commencent à demander les choses qui se trouvent au milieu de l'année. Mais ils refusent les choses qui doivent se passer au début de l'année. Voilà hmm. pourquoi ils ne veulent pas les vœux de repentance. Ils veulent toujours rester dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la méchanceté tout en ayant les biens de Dieu. Tu continues à vivre dans le péché et le désordre, mais tu prophétises que tu seras riche. Tu mens. Tu continues à prophétiser que, 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 que voilà, tu vas être vraiment euh, quelqu'un qui va impacter le monde, alors que toi, tu vis dans le désordre. Tu t'es séduit toi-même. unasema ya kwamba utatisha dunia mzima na unaishi katika hali isiyo faa unajidanganya mwenyewe tu continue proclamer oh je suis la lumière du monde tu nes pas la lumière du monde ausi longtemps que tu vis dans les ténèbres et que tu ne veux pas te mettre en avec dieu unajiendelea kutangaza ya kwamba we ni nuru ya ulimwengu unadanganyika kama bado haujajiweka katika njia za mungu unajidanganya mwenyewe tu vis vunetepasmarie tu viens à Le pasteur profetise. Je profetise que vous avez enfants Ça, ce n'est pas la sorcellerie unaishi na mtu wa mwanaume lakini haujafanya naye ndoa na unaendelea kutabiriwa kwamba mtapata watoto hiyo ni uchawi mkubwa Toi tu dis amen amen qui va au milieu duma alors que tu dois d'abord commencer par te marier. na unaanza kusema tu amina amina lakini na unajua kwamba lazima kwanza ungeanza afanya ndoa eyan la des choses agréables dans vos oreilles. Vous aimez les faux prophètes et les faux pasteurs. Qui ne vont pas vous parler de la repentance et changer votre façon de marcher. Mais veux donc pour toi, pour cette année, toi qui m'écoutes, c'est le vœu de repentance et de la cigarette si tu fumais, que Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. ninakutakia mimi mwaka huu ya kwamba utengeneze njia zako na kutoka kwenye ile hali ya kuvuta sigara kwa jina la yesu kristo Que si tuetai lie ave des impurets la pornographie e sortes de choses, que dieu te délivre de sa au nom de jesus kama ulikukuwa umefungiwa na hali ya kuangalia maporno mungu akuokoe na zile hali kwa jina la yesu kristo Que si tu étais lié avec la cupidité, tu ne penses qu'à toi, moi, 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 que Dieu te délivre afin que, quand il te donne des moyens, c'est pour, pour aider aussi les autres. Si tu passais le temps devant la télé, au lieu de lire la Bible, au lieu de prier, que tu te délivre de l'esprit, des distractions, et que tu sois consacré dans la prière et la parole de Dieu au nom de Jésus.

La repentance va faire en sorte qu'on s'est mis autour de la parole de Dieu pour voir ce qui n'est pas bon et ce qui est bon. Comme ça, si on marchait d'une voie qui n'est pas agréable au Seigneur, on crie à Dieu, « Oh Seigneur, viens mon secours, je veux vivre cette nouvelle année dans une consécration avec toi, ce n'est que toi qui peux l'accomplir en moi. » ili utakapojipata huko kwenye kinyume na mapenzi ya mungu utamwomba mungu ee eh, bwana kuja unisaidie ili niweze kuishi mwanza wa mwaka huu katika hali ya mapenzi yako toute les autres bonnes choses que tu as parlé qui kisont bien tu leveras s'accomplir au travers de co processus pas linverse ili mambo yote ambayo unayo yatamani kuyapata mazuri uweze kuyapokea kunjia kwa njia ya kupata kwanza njia ya toba cuevi dans une vie d'hypocrite bo an tu suite chepas kua uh, uh, plein de choses. mais me toi meme tu sais bien que tues un hypocrite. unaishi maisha ya unafiki lakini unajitakia kuwa utaona mazuri mema kwenye mwaka huu na wewe mwenyewe unajua kwamba wewe ni mnafiki mkubwa sana les hommes ne te voient pas mais jeu lui voi, il voit ton cœur. ndio wanadamu hawakuoni lakini mungu mwenyewe anaona moyo wako Et il te parle par notre canal afin que ton cœur soit délivré de ces choses qui ne, lui, qui ne lui font pas gloire. Tu ne peux pas séduire Dieu en donnant beaucoup de présents au pasteur. Il te bénit. Ah, ma fille, mon fils, je te bénis vraiment. Tu m'es trop serviable. Tu te séduis toi-même. eti unaleta sadaka yoyote na wanaanza kuambia ubarikiwe ubarikiwe unajidanganya mwenyewe les hommes peuvent te beni mais cest dieu kibeni watu wanaweza kukubariki lakini ni mungu abarikiaye si ta vi n'est pas règle selon que si le Seigneur ji peu importe les bénédictions que les hommes te n'a sana okay effet kama maisha yako hujaweka taratibu hata watu wakikutakia baraka La seule bénédiction que tu auras fait c'est la bénédiction de la repentance si tes voies ne sont pas droites devant le Seigneur. Eva, tu n'auras rien d'autre. C'est la seule bénédiction que Dieu pourra t'accorder. Dieu ne peut pas t'encourager à vivre dans le mensonge. Tu vis toute ta vie une vie de mensonge. Yo, na njia za Mais en même temps, tu veux dire, parler d'un Dieu de vérité alors que toi-même, tu vis une vie de, de mensonges. Ça ne va pas ensemble. Wakati katika njia ya wongo, na wakwe, pa Donc tout ce que tu vas proclamer, ça sert à quoi puisque toi-même, tu es en déphasage total avec Dieu. yote unayotangaza we mwenyewe unaona haifanani kabisa maana we mwenyewe uko nchi ya mapenzi ya mungu combien parmi vous save jésus christ a commencé le ministere en parlant de la repentance wangapi katikati yenu wanajua ya kwamba yesu alipoanza huduma yake alianza na maisha ya toba ilya meme de gens dans les églises ils nont jamais entendu ça. Ils disent, ça fait des années que je n'ai plus entendu ce genre de message kuna watu wengi hata kwenye madhehebu hawajawahi sikia hata ujumbe kama huu unaohusu toba Ça montre à quel point on s'est installé tellement dans la légèreté, dans les choses de Dieu. On a commencé à prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. Vous vivez là, vous dites vous êtes enfant de Dieu, vous fraudez tous les jours, ça ne vous pose pas de problème. mnajidai kwamba jini watoto wa mungu lakini mnaishi wizi kwenye makazi haiwasumbui haiwa kwa chochote ça evoveke vuswete à akuwa si vuvive dans la larud alor ue ju neveu pakevufrude evudike votanie koma kwa hivyo mnapotakiana mema inatokana na nini na mnaishi wenyewe katika wizi na mnasema mtabarikiwa mtabarikiwaje kweli beni ce nest pas voir les choses parce que meme le diable a propose le biens de ce monde a jsus christ de nazareth kubarikiwa sio kuwa na vitu vya dunia hii maana hata shetani mwenyewe avitakia yesu kuwa na vitu fulani katika vya dunia hivi dieu peut vudonner va meme vous donner ces choses mais vu nepee pas faire les choses dans linverse unaweza kupewa hivi vitu vyote lakini huwezi kubadilisha mambo C'est d'abord vous qui devez être une bénédiction de Dieu parce que votre vie est transformée et, est, et votre vie bénit les gens parce qu'elle est transformée. Mais vous êtes là, vous êtes là. Vous conduisez des voitures sans permis de conduire. Mais dans ta voiture tu mets les cantiques, tu le Alléluia Jésus. Et tu proclames les profeie disant disan ton tonani mon frere ça c'est de la sorcellerie. lakini mwenyewe katika gari lako unaweka zile nyimbo za ibada za kuabudu na kusema aleluya yesu ndugu yangu iyo kwamba sio uchawi kweli tu nes pas n aord avec la parole de dieu hauko hata kabisa hau, hauna ukubaliano na neno la mungu Et tu vis comme ça toutes les années en proclamant Jésus est Seigneur, bonne année en Christ, que Dieu te bénisse. Mon frère, ça ne va pas. Et c'est pourquoi vous êtes tout le temps malheureux dans l'église parce que vous voulez les discours qui vous plaisent. Vous êtes tout le temps dans les choses qui ne, qui ne sont pas agréables au Seigneur et vous voulez, vous voulez être heureux comment? na njo maana katika kanisa muko tu watu wenye ole oh, maana mnaishi vitu ambavyo havipendeze mungu mnataka muwe na uheri gani sepokuwa vuameleupet le paster akivuzensegnye levangile e prosperite vutale tu vuzenrishi alosue votre na de nazareth njo maana mnapenda tu unabii za uongo manabii wa uongo mawatumishi wa uongo kwa sababu wanapenda kuambia mambo nayo nayowapendeza kwa sababu maisha yenu haiko tu sawa mbele ya mungu Tu es là, tu prends la moto, tu sais que tu n'as pas les papiers de la moto, mais tu prends quand même. Tu commences à faire une activité avec dans la fraude. Et tu viens même, tu dis Ah, pasteur, voici ma dîme vraiment pour bénir. Et il dit Mon fils, que Dieu te bénisse. Que mon, mon bien-aimé dans le Seigneur, on ne trompe pas Dieu. mpendwa katika bwana huwezi kumdanganya mungu ceque un homme a seme il va le rekolter apandacho mtu ndicho atakachovuna tu a déja vu kikiseme la patate e i recolte le macabo umewaiona umeona mtu wapi aliyepanda viazi aka akaenda kuvuna ndizi ta vie est une semence tu donnes pour quelle produise dans le seneur maisha yako ni kama mbegu ambayo utaivuna katika bwana don ce n'est pas les choses ue tu, tu pense tu souhaites avoir ki doive se passer sio mambo ambayo unataka kuwa ukuwe nayo ndi itatokee les choses que tu dois avoir i vont se manifester depend de ce que tu es kwa hivo mambo ambayo unatamani ili tokee inatokana na gisi weo ukosi ce que tu es si ce un semence dimpureté dune vie qui ne parleunom de dieu kama chenye Le résultat aussi, le fruit que tu vas récolter, c'est aussi le fruit qui est en accord avec ta semence. Tu ne peux pas contourner ça, tu trompes Dieu, jamais. Parce que Dieu va te juger selon sa parole et non selon ce que les gens te disent à côté et non ce que les prophètes disent. maana mungu atakuhukumu kulingana na neno lake sio kulingana na watu maneno ya watu ama maneno ya manabii za watu e il e provien que ceque lhomme a seme ces se va rekolte anatahadhari kwamba kile ambacho mtu atakachopana ndicho atakachovuna sem la santete sem la justice seme la verite panda utakatifu panda haki panda ukweli Soit une semence de consécration à Dieu. Et la Bible dit que si vous obéissez à ma voix, vous m'écoutez, vous mangerez les mains succulents du pays. Mais le début de l'année commence où vous devez semer. Vous, votre vie comme semence? vous ne voulez pas Mais vous en même temps voulez manger les fruits de l'année Ce n'est pas possible Après c'est comme ça que la jalousie s'installe dans l'église Vous commencez à être jaloux des frères et sœurs En disant que lui il a touché la sorcellerie Lui il a Alors que c'est vous les véritables sorciers Na vous obtenez maintenant Oui vous êtes en train kwa sababu wanasema kwamba ule aligusa labda dawa hapana ni wewe mwenyewe ndio mchao wako mwenyewe Donc mon bien aimé dans le segneur sois une semence de consécration a christ qui vie dans la repentance C'est-à-dire que tu texamine tout le hey, temps eh Seigneur, est-ce que je marche comme tu veux kwa hivyo mpendwa wangu katika bwana ninataka uwe mbegu inayojitoa kwa bwana ili siku zote uweze kujiuliza kwamba je niko katika mapenzi ya mungu kweli kweli J'aimerais vous rassurer, notre Dieu est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. Dieu veut et Dieu va nous donner des choses merveilleuses. Le problème, ce n'est pas d'avoir des choses merveilleuses, c'est comment on a ces choses. Et dans quel état ces choses-là nous trouvent Dieu nous a enseigné toutes ces choses par les écritures. Regardez la vie de Salomon. Mwenyeo, maisha Salomon a eu toutes les choses, tout était préparé pour lui. Il n'a fait aucun effort, tout était à sa disposition. sulemani alipata vitu vyote na vyote vilikuwa pale kwa ajili yake mais il usi instale telement d dol de temple di dol pour les feme kil ave gashe ya droite lakini baadaye akaweka masanamu ambazo wanawake wa walikuwa amewapata huku na kule vu diti kue vu vulete rish omme salomon dire que vu voulez aussi ete riche en femme comme lui e en désordre comme lui ukitaka kuwa kama sulemani tajiri kama yeye manake basi uwe na wanawake kama yeye Na pia, maisha Au lieu de voir la vie des Salomon, ça vous effraie. Où Dieu vous montre que vous êtes capable d'avoir toutes sortes de richesses qui peuvent vous donner toutes sortes de biens. Mais est-ce dans quel état vous serez et comment vous allez gérer ça C'est ça le plus gros problème. Donc quand on vous prêche de la repentance, n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de faire des choses dans vos vies et qu'il ne va même pas faire. Mais c'est parce que nous-mêmes nous sommes conscients que si on n'est pas dans le cadre que Dieu veut, soit on va bousiller totalement les grâces qui nous a donné, on sera un objet de scandale. Mais hatutaweza kupata mambo mazuri atakuwa chanjo cha kuwahibisha soat on va inviter lenemi dans ce va faire et puis on onva faire seme la pagayi comme euh, salomon a installe les, les, les divinités étrangères de ses femmes ama naweza kufungua mlango kwa shetani kama vile sulemani aliweza kufanya mambo mpaka akaingiza uhali ya ubaya kabisa ya wanawake wake kila mahali no lizon galate chapitre pari euh, 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 7. On dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. <t en -t -en> mungu hadhihakiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele wanazungumzia na na wakristu kwamba msijidanganye wenyewe msimtunganie na na mstari wa si na ya kwamba wale wanaowahubiri mwapatie kwa vyote mnavyoshiriki nao nao voilà lo un passage que des imposteurs et des faux pasteurs ont tordu dans tous les sens na hiyo ndio ndio vasi na ambayo nani shahidi ambao watu wengi wanaotaka kuharibisha neno la Mungu wanaipenda Dieu demande de donner de semer avec un cœur pur et sincère Wanaomba kama unaweza kutoa unatoa kwa Il ne s'agit pas ici de prendre ces biens et de donner à quelqu'un, soi-disant, parce qu'il nous enseigne, alors que notre cœur n'est pas en adéquation avec Dieu, alors que cette personne n'est pas forcément dans le Seigneur. Si tu donnes tes biens à quelqu'un qui enseigne des hérésies, tu es en train de s'aimer selon la chair. Quand on il faut faire très attention. Quand on dit de faire part de ce bien ce qui nous enseigne, il nous enseigne quoi Voilà pourquoi vous voyez les gens ils, ils se dépensent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'argent pour donner à des faux prophètes mais ils se tournent que les est toujours médiocre. na juno napata watu wengi wanapana pesa zao kwa watumishi na wanabii wa wawongo lakini maisha yao imeharibika kabisa et cetaedon des vritablesservitds de dieu deu ms dans les mais m ildonne avec cœur de cupidité na unapata zile ma, zile wale watumishi wazuri wanapopeana takule wanapana na roho ya enye tamaa nyingi Donc, ça veut dire qu'ils s'aiment selon la chair. Ils vont moissonner quoi La destruction selon la chair. Voilà pourquoi on voit la, voilà on voit la jalousie, la haine, la concurrence, la médisance qui est installée dans le cœur de la personne. Il commence à voir tout le monde est son ennemi. Tout le monde le déteste. Et il pense que toutes les prophéties qu'il a pu déclarer sur lui vont arriver parce qu'il a déclaré, alors que sa vie est une vie où il a sémé selon la chair. Ces paroles arriveront si et seulement si tu sèmes selon l'esprit et conformément à la volonté de Dieu. Sois donc une semence du Seigneur, une semence de repentance, une semence de consécration, une semence qui est agréable à Dieu selon la parole de Dieu. Ainsi tu moissonneras aussi dans la joie, dans l'allégresse dans le Seigneur au courant de l'année. Na hapo ndipo vuna furana, amani, na shangwe, hata Parce que c'est ce que tu sèmes là au début de l'année, c'est ça la que tu récoltes tout au long de l'année. Si Commence l'année avec un esprit de jeûne, de prière, de consécration, de méditation de la parole. Mets le Seigneur au premier rang. anza mwaka pamoja na kuomba na kufunga na kujitoa kwa mungu weka mungu kwa nafasi ya kwanza enon tes paroles enon te propre projet meis dabor le segneur te donner lintelligence an sa isiyo kwanza mipango yako isiyo kwanza maneno maneno yako na baadaye utaona sasa mungu atakuongoza iva te montrer les chose antavis kinovon pas tu kuetukorige atakuonesha mambo maishani mwako isio sawa na atakuonesha jinsi ya kuirekebisha Il va aussi te montrer les bonnes choses que tu fais pour t'encourager pour, pour, pour que mon fils va de l'avant. Mais si tu ne mets pas le Seigneur au centre, tu vas seulement regarder les bonnes choses à tes yeux qui sont bien dans ta vie.

de nos propres ambitions que nous mettons devant, on ne cherche pas quelle est la volonté du Seigneur. Regardez ce que le Seigneur conclut lui-même dans Apocalypse 22. On voit que le Seigneur a dit à ses enfants qu'il allait se réunir avec lui. Regardez lui-même comment lui il présente les choses à partir du verset 10. Il dit, ne sèle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore wakati yao umekaribia mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu na mwenye haki azidi kwa mwenye haki na mtakatifu azidi kujitakasa regardez comment Dieu finit le discours qui donne à Jean ce le dernier livre le dernier livre de la parole ici ndio kitabu cha mwisho cha biblia naangalia maneno ambayo Mungu anaambia Musa na Yohana il appelle toujours à la repentance et nous montre exactement le, le, ce qu'on vient voir là, la, 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 la moisson en fonction de la semence qu'on qu a, qu qu a, qu a plantée. Il dit que l'injuste, donc celui qui vit sur la chair de l'injustice, que bon, il continue à être dedans parce qu'il va manger son fruit avec. Que celui qui, qui se souille, donc il continue, il ne faut pas qu'il soit au milieu. Et c'est lui qui veut vivre dans la sainteté, donc qui sème sur la sainteté, qu'il continue à s'aimer. Le Seigneur encourage chacun dans la voie qu'il prend. Parce que chacun va manger le fruit qu'il a sémé. Donc il ne faut pas être étonné de ton année.

Verset 12, il dit ceci. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Est-ce que vous avez compris le langage du Seigneur? Il a commencé en dire le royaume de cieux est proche. Répentez-vous. Dans les cieux, il se présente donc comme celui-là qui vient bientôt. Donc comme le rhum de ceux qui est proche là, qui arrive. Et il appelle encore la repentance parce qu'il dit qu'il va rendre à chacun selon son œuvre. Donc quand il parle, c'est pour que chacun examine sa vie. hapa anazungumzia kutubu maana anasema kila mtu ajiangalie yani ni kama kila mtu aangalie maisha yake e vous voyez bien que il finit dans le livre d'apocalypse avec sa na mnaona hata katika uuu alimalizia pia kuhusu hiyo jambo et il rappelle le verse 13 que jesus lalpha et lomega le premier e le dernier le commencement et la fin msara kumi na tatu ya kwamba ye ni mwanzo na mwisho kilichoanza na kilichoisha quand il parle il sadresse pa ou payen il sadresse a ce si qui sont dans l'eglise a ce si qui se dise qui lui apartienne na anapozungumza hazungumzie kwa wapagano anazungumzia walio ndani ya kanisa watu wake premièrement que jean éta napoe du seneur kedone les instructions toki so parle dabord a son eglise les lettres sont ecrits aux eglises cest pas ecrit au payen dabord anazungumzia watu wa milki yake maana yohana alikuwa mtu wa kanisa na alikuwa mtu wake na anazungumzia watu walio ndani ya kanisa kwanza Il commence, ministère, par la repentance Et là, dans les cieux, il prévient Je reviens bientôt avec ma rétribution. Mon bien-aimé, Jésus vient remettre bientôt, revient bientôt avec sa rétribution. Il va rendre à chacun selon son œuvre, selon la semence qu'il a produite. Donc, c'est une de vue, cela. C'est que tu es en train de te séduire bien comme il faut. Les hommes peuvent te récompenser. Voilà, c'est lui qui dit qu'il récompense véritablement. Et il dit, heureux ceux qui se lavent, qui lavent verset 14, qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'âme de vie et d'entrer par les portes de la ville. Déhions les chiens. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Vous voyez bien qui dit que heureux il programme. Donc voilà celui qui vient donner la récompense et il ne sait pas. Il y a les heureux et il y a ceux qui sont chassés dehors. na mnaangalia hapa anayekuja kuleta mshahara anaonesha kwamba kuna wale walio laheri na kuna wale ambao watatupwa nje ce lave leur robe leur robe cest la justice la crainte de dieu ki de dire plus haut la, la sainteté qui sont en christ qui vivent selon le modele de christ sont ces véritables enfants wanaoosha nguo zao ni wale ambao wanaishi katika utakaso wanaoishi ndani ya kuishi kama watoto wa mungu Ceux qui mettent dehors, ce sont ceux qui sont là, qui n'ont rien à voir avec lui. On ne peut pas mettre dehors quelqu'un qui n'est pas dans la maison. Il dit bien dehors, ça veut dire que tu es quelque part, tu es là-dedans. Mais il te dit que toi, tu te mets dehors. Donc, le problème, ce n'est pas que tu es dedans, tu te vends, tu es dedans. Il y a quelqu'un qui peut venir te mettre dehors. Si toi et moi on est des chiens. La Bible dit que le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Les chiens, c'est les gens qui disent qu'ils sont repentis, ils sont convertis. Mais qui vivent toujours selon le monde, selon leurs propres principes, selon leurs propres voies, et qui refusent la repentance. Je ne sais pas savoir si vous êtes convaincu ou pas. Ce n'est pas mon souci là-bas. Ce n'est pas moi, Dieu. Je dis seulement ce que le Seigneur lui dit. Donc, si vous et moi, on est des chiens étant dedans, on sera dehors. Les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Tu as les posters de ton pasteur partout dans ta chambre, mon ami, tu es dans l'idolâtrie. uko na manani yote picha za mchungaji kwenye chumba chako mpendo uko katika kuabudu sanamu tu tu le poster de prédicateurs ah lui c'est un grand prédicateur tu es dans l'idolâtrie uko kwenye kuabudu sanamu na mapicha za kawaida si za wanadamu dans ton cœur il y a le meurtre tu en veux tellement des gens que tu les tues dans ton cœur tu es meurtrier moyo wako una hali ya chuki na wivu na vita uko kama muwaji Tu vis dans une vie tellement légère, mais tu pries, tu, tu prophétises, tu fais toutes choses. Le Seigneur dit que mon frère, toi et moi, si on est dans ces cas-là, il va mettre dehors. Oh. Peu importe, prie comme tu veux, prophétise comme tu veux, ça ne change rien. Oui. Tu es installé dans le mensonge à l'église, dans le faux témoignage. Oui. Tu témoignes des choses que Dieu n'a pas dit. Juste pour faire plaisir aux gens, juste que tu fais, fais plaisir aux pasteurs. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce sont les meilleurs voeux du Seigneur, la repentance. mungu wabariki sana tukiwatakia kutubu njemaa basi wapendwa tunashukuru sana tukimaliza kipindi hiki siku ya leo natumaini kwamba mmebarikiwa popote mlipo inawezekana inaweze una swali inawezekana una jambo la kupongeza unaweza kuandika namba hii kutuma ujumbe ama kupiga simu kwa njia ya namba ya, ya rtl ni 097 0 009 nonant mungu awabariki tukutane mardi prochain tutakwapa tena a partir ya 19 mpaka 20 mungu awabariki kwa jina la yesu amen. amen.